La formation de câbleur de faisceaux électriques permet d'exercer le métier de câbleur dans différents domaines comme l'aéronautique, le militaire, le ferroviaire ou le spatial. C'est un métier où les critères essentiels de rigueur, minutie et qualité sont demandés. Le programme est constitué de cours théoriques étayés de travaux pratiques complétés par des échantillons pour manipuler les outils spécifiques de dénudage, sertissage, reprise de blindage, notamment avec autosoudeur. L'apprentissage porte aussi sur l'enfichage des contacts, le cheminement, les finitions. En fin de période, l'apprenant doit faire un stage en entreprise pour valider sa formation. Cette formation est sanctionnée par un diplôme CQPM, certificat de qualification paritaire de la métallurgie. Ce certificat est un premier niveau de qualification. Donc, je m'appelle Sébastien Manin, je suis actuellement en formation de câblage faisceau électrique au centre de formation de la DRAR. Je suis cette formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, je me suis renseigné sur tous les centres et j'ai rencontré M. Royer qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a aidé aussi à monter le dossier auprès du fonds GESIF pour le financement de la formation. Alors, concernant la partie pratique de la formation, donc on a à peu près 25 modules de cours théoriques. Ça concerne tout ce qui est la connectique, les différents types de câbles. Suite, à l'issue de ces cours, on met en pratique avec des TP environ une quinzaine quoi, à peu près, qui reprend tout ce qu'on voit en cours. Il peut y avoir du sertissage de contact, sertissage de cosse. On est très bien accompagné par l'équipe pédagogique de la DRAR. Enfin, l'accompagnement est toujours très, très présent, quoi.